Bonjour à tous les lions, comment allez-vous chers lions? Ici votre horoscope pour le mois du septembre 2015. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des éclipses. Donc, ça veut dire c'est un peu plus énergique, c'est un peu plus. Il se passe des changements un peu plus vite. Il se passe toujours des changements, hein, tout à fait. Mais maintenant, c'est en grande vitesse. Ça veut dire quoi pour vous? Eh bien, d'abord, ce qui est le plus positif pour vous, c'est l'éclipse lunaire. Et ça se trouve pendant environ le 28 du septembre, mais on sent ça pendant tout le mois. C'est dans votre neuvième maison. Et votre neuvième maison, c'est la maison du bélier. Et bélier, c'est l'élément du feu. Et vous aussi, vous êtes un élément de feu. Donc ça va très bien, ces deux énergies. Et ça veut dire que c'est le moment pour agrandir ou accroître votre conscience. Donc c'est le moment pour avoir un peu plus le regard, un peu plus. Comment on dit ça? Helicopter view, c'est ça parce que vos visions, c'est un peu plus grand et c'est un peu plus détaché. Et ça, c'est pas toujours, c'est toujours très bien parce que ça vous donne de l'espace pour réfléchir, ça vous donne de l'espace pour peut-être votre foi, vos opinions, et qu'est-ce qui est important dans votre vie pour. Peut-être voir des nouvelles routes qui sont là et que vous n'aviez pas vues pendant longtemps. Donc la neuvième maison, c'est vraiment aussi le contact avec Dieu ou avec l'univers si vous ne croyez pas en Dieu. Donc c'est un moment assez positif pour avoir un peu plus de l'optimisme. Ça veut dire pas, ça ne peut pas dire que tes problèmes vont se résoudre comme ça, non. Mais ça veut dire que vous avez avoir, ou c'est un bon moment pour avoir un peu une attitude positive ou plus positive dans si vous allez réfléchir qu'est-ce que vous avez fait dans le passé. Et en plus, il y a aussi une éclipse solaire dans le signe de la Vierge. Ça, c'est votre deuxième maison. Et ça c'est un peu plus down to earth. Ça veut dire vos finances, ou vos talents, ou vos confiances, ou un des trois. Et ça veut dire qu'il y a quand la Lune et le Soleil, et ça sera le 13 septembre, quand ils sont ensemble, ça veut toujours dire qu'il y a un nouveau vibe, un nouveau commencement. Donc c'est très bien pour étudier quelque chose de nouveau, pour explorer vos talents. Et naturellement, c'est le mois du septembre, donc beaucoup de gens vont étudier. Ce ne sont pas toujours les jeunes, hein. Peut-être un cours ou un workshop ou whatever. C'est aussi une possibilité sur le plan financier, que vous avez faire un plan pour améliorer votre situation financière. C'est aussi un bon moment pour faire ça. Et voilà, cher Lion, profitez-en surtout de cette énergie de l'éclipse lunaire pendant le 28 du septembre dans le signe du Bélier. Voyager aussi, voyager si vous pouvez pendant le mois du septembre, c'est très très positif pendant ce moment. Aussi l'étranger, les voyages, les études, si vous voulez publier quelque chose et tout ça. Et voilà, merci pour écouter cette petite vidéo et à la prochaine, au revoir.